vraiment, allez-y, écrivez plein de fois des arsages de plein de manières différentes, et puis au fur et à mesure, vous simplifiez ou vous prenez des éléments de là, vous en faites un autre, et puis vous lâchez tout, mais n'oubliez pas, ça doit être fait avec des éléments de là. Vous voyez comme toi, hein, tout lumineux, bêtement classique, ou des lettres découpées. Mais sans plus, et je crois que vous, vous devez essayer d'aller plus loin, d'être plus créatif. Imaginons ici, je vois une colonne. Imaginons que cette pièce, elle a plein de colonnes au milieu, donc c'est peut-être intéressant justement de partir à partir de ces colonnes ou de ces... Mais en n'oubliant pas, je dessine classique, et puis après, parce que la nature rentre le dessus, et c'est là que vous allez pouvoir mettre la poésie. Dans la lettre, remplir, puis ça vit. Et après, on pensait faire un truc un peu aérien, que ce soit des lettres suspendues, mais pas des lettres posées par terre. Ok. Oui, ça c'est technique. Quelque chose aérien, ouais. Puisque toi. Ouais. Donc ça c'est technique, c'est après. C'est Au pire, on pourrait faire genre les lettres. On pourrait faire une barre avec les pattes. Mettons que les A. Ouais. Et au pire, même ta règle, je vais mesurer sur les carreaux là-bas. Bah oui, mais viens, passe ta règle, je vais mesurer sur les carreaux ouais, là-bas. Mais si quelqu'un a une règle graduée. Est-ce que quelqu'un aurait une règle graduée? Ah, parfait. Non, dans ma cuisse. Parce que là, c'est un peu trop personnel. Ouais, c'est les gars. Amine, par contre, elles ont des corrections, donc... Oh non, elles sont trop tard. C'est des lettres partout, par exemple, on en fait une dans les tenues, dans le self, dans les... Ouais, on y pense quoi. Bah voilà, dans les chaises, on met du PQ. Ouais. Et on met du pain. Vous avez déjà des A aussi. Ça, dans ce sens-là, ça pourrait être un A minuscule. Ça pourrait être un L, si on oublie le volume de ceci. Donc à vous, chipotez maintenant les objets, prenez-les et regardez-les dans des sens différents, ceci ou autre. Ici, il y a un jeu de transparence qui peut être sympa aussi. Le volume serait fait avec une matière différente à chaque fois. Bon, là, on aura une structure chelou. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais des cubes, là. C'est quoi? Un élément de la structure, ça peut être... Mais du coup, c'est pas... On a dit quoi? Il fait du chanter qu'il y en a un peu partout. Ou un verre. Ah, mais si on prend du plexiglas. Mais du plexiglas, ça va? Ah, mais faudra voir. Mais comment tu vas sortir tes photos sur un ordi avec un téléphone portable en Bluetooth? Ah, avec un câble. Ah, mais un câble. Ouais. Je vais monter tout le lycée. De toute façon, ce serait creuser l'appareil par terre. Ouais, bon. Eux, ils n'ont pas besoin de s'en faire. C'est quoi? Voilà. Dans les comme ça. En fait, c'est avec les ondes, tu... Ouais, avec les ondes. Bah. Vous vous rendez compte que l'ombre, elle va changer en fonction de la lumière. Ah, ouais, on se tient.
temps, voilà. Le Z, il est dans le mauvais sens. Il est trop près, le Z. Enfin, il est pas passé. Ouais, on a cette fille là. Mauvais sens, au départ, on va le mettre comme ça. Là, il est bien. Et le problème, c'est que le Z, il est pas aligné. Et le S, comment? Pour voir. En fait, c'est un peu. C'est inspiré de là, celle de dessus. Il a des ouais. Bon, voilà, hein, bah. Disons que le R, c'était compliqué là, à faire parce que du coup, là, tu vois, les courbes n'étaient pas. C'était pas super, tu vois. Parce que pour refaire, c'est parce qu'en fait, parce que dans la photo, tu vois, il y avait en fait, c'était courbé là. Notre projet, c'est de faire des lettres en moellon et de faire un parcours où, où les gens vont monter les escaliers, vont voir d'abord le Z en première vue. Ils vont monter des escaliers, ensuite ils vont voir un A. C'est des lettres qui ressortent par le relief. Donc on va peut-être utiliser un jeu de lumière qui va les faire ressortir. Qui va faire ressentir les ondes. Et donc là, les gens vont monter les escaliers, voir toutes les lettres redescendre, faire le tour, et ils verront l'ensemble du mot Zarza. Et donc. Trop chiant! Si ça fait des pâtés à des endroits et tout, et tout ça aussi. Ça ne se voit pas, les pâtés. Mais non. Ça me stresse un peu, c'est sur moi, j'aime pas ça. Non, mais vas-y, on va pas nous demander. C'est pour moi, c'est genre la... C'est quoi c'est ? Non, franchement, c'est cool. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez fines. Bah, c'est pas une tension à ce degré-là. On dirait pas, mais ils sont grands, ces carrés. Bah, ouais, quand même. Bah, vous aussi, vous êtes grands. Moi, je ne peux pas, absolument pas croire, comme je n'aurais pas vu, que vous arrivez à rentrer dans un casier. Thank you.
peur que ça se voit pas, mais en fait ça se voit trop. Hein. Les composants divers, tu représentes les divers. Les... Non, on va faire un mélange parce qu'on va se mettre. Mais on va demander des bonnes. Servir de la projection et de leur ombre en fait pour former l'inscription et notre emblème, les Zarzas. Pas mal. Ouais. En revanche, à photographier, ça, faut se lever le matin, ça. Ouais. Non, c'est pas facile. Il faut. À ce moment-là, chaque lettre est une construction par sa structure et crée un rapport avec le chantier déjà trouvé au lycée. Les composants diverses représentent les différentes visions que nous avons des arts appliqués. Donc après, genre là, j'ai mis les arts, et tu sais, il faut faire juste 2-3 mots pour ce qu'on dit. Par exemple, le A. Je vais changer de côté. Le A, on dit la passion, voilà. Ouais. Oh.